Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Le pot de confiture. Papa ramenait toujours les friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien! Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman! On aimerait beaucoup t'aider. On peut t'aider, s'il te plaît? Avec plaisir. Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Que vous alliez me chercher la confiture de mûre. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh! Dans la cave! Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Il y a plein de trucs chouettes ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est aigre, très très aigre. Bon, ça c'est trop salé. Il faut que je me rase la bouche. Oh, j'ai la bouche en feu. Waouh, j'arrête de goûter ce qu'il y a dans ces pots. On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui. Maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûre. Mais on ne sait même pas où la chercher. Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûres. Ici ce sont des cerises. Et du ski dans la cave. Allez, petite valise. Là ce sont des carottes. Et en bas, c'est quoi celui-là? Un chou on dirait. Et celui-là, c'est... Ce ne sont pas des mûres, c'est beaucoup trop fort. C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts. Hé, regardez, j'ai trouvé. Oui, c'est bien une mûre. Ouais, on a trouvé. Mais où est le bocal de mûres? Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette. Facile. Non, 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 non. Oh, oui. Oh là là, ça fait beaucoup de confiture. Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman. Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd. Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler. Dites-moi qu'il n'est pas cassé. Il n'a rien. On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout. C'est tout, hein? Youpi, on a vraiment de bonnes idées. On y est presque. Super, il faut qu'on recommence tout. Ou alors, on peut manger la confiture ici. Et ensuite remonter à l'étage pour boire le thé. Mais Tartine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman. On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave. Excellente idée. Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau. Mais la table était bien trop grosse. Il nous faut une plus grande porte. On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture. Je viens d'avoir une super idée. On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre. Cookie, Praline et Tartine, mes amours, vous avez trouvé la confiture de mûre tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe. Oui, cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau. On a aidé maman. Miaou, 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 miaou. Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons. Et la confiture de mûre, ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait. Thank you.